Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et qu'est-ce que c'est que ce truc? On s'en fiche. On s'en fiche de la VR avec un carton, un bout de carton. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et on est parti pour un vidéo test sur Super Mario Odyssey! Alors voilà, forcément Super Mario Odyssey, tout le monde connaît. Il est sorti fin 2017. Un très grand jeu de plateforme. Mais est-ce que c'est un très très bon jeu de plateforme selon moi? 3D, évidemment. On va pas le comparer avec d'autres jeux de plateforme 2D. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut habiller de n'importe quelle manière Mario. Voilà. Voilà, là, elle a la robe de la princesse Peach. C'est magnifique. Peach l'a mariée. Et donc là, on voit directement un magnifique environnement. Et là, c'est... Bon, je vais déjà partir sur un point faible. C'est qu'il s'y passe rien ici. Il y a presque rien, on n'a presque pas de lune à récupérer. De toute façon, je vais vous expliquer en quoi consiste le jeu réellement après, mais... En tout cas, là, cet environnement-là, je ne me souvenais pas que j'étais là la dernière fois. Hop! On va repartir. Il va y avoir du spoil, hein, évidemment. Le jeu, je l'ai fini complètement à 100%, voilà. J'ai 910 lunes au total. Donc voilà, je l'ai retourné dans tous les sens. Voilà. Donc alors, voilà, la carte du monde, voilà. Alors, il est dit, enfin, le hub central, si je puis dire. Là, on peut sélectionner les différents niveaux du jeu. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de niveaux. Il y en a 17, il me semble, en tout. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, oui c'est ça. Mais ça ne veut pas dire 17 niveaux aussi longs les uns que les autres. Hein. Par exemple, voilà, le pays des nuages. C'est un monde, il fait 100 mètres carrés et point. Il se passe pas grand chose. Il y a juste le combat d'un boss. Et à ce moment-là, on combat Bowser. Voilà, un petit spoil. Mais voilà, le boss est très simple à combattre. D'ailleurs, les différents boss, voilà, c'est pas le point fort du jeu. Voilà, qu'est-ce qu'on va choisir? Bon, on va commencer par le pays des chapeaux, voilà, le pays des chapeaux. Le premier monde. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer hein, les différentes animations et tout. Les temps de chargement sont pas trop longs. Bon, là, je vous laisse parce que, bon, c'est pour la beauté du vidéotest, hein, évidemment. Donc voilà, qu'est-ce que Super Mario Odyssey? Bah Super Mario Odyssey, évidemment, c'est un jeu de plateforme 3D, un peu à l'ancienne, ce qui ne se fait plus vraiment à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, le réel dernier Mario 3D, c'était Super Mario Galaxy. Mais le dernier véritable Mario 3D, avec des mondes ouverts, mais vraiment ouverts et immenses, c'est Mario Sunshine. On était en 2003, je sais plus, 2002-2003. Voilà. Et après, quand on a eu Mario Galaxy, c'est plus des... Comment dire? C'était de la plateforme 3D, mais... c'était beaucoup plus linéaire. On avait beaucoup moins d'exploration. C'était plus de la plateforme pure. Et bon, sur le coup, voilà, Super Mario Galaxy a été une grande réussite. Voilà, j'essaie de choper le lapin, là je m'amuse. Ça a été une grande réussite. Mais le problème c'est que Nintendo... Ils sont restés sur leurs acquis, et donc ils se sont dit... Faire un jeu de plateforme 3D, mais avec un enchaînement assez linéaire... Ça a l'air sympa quoi, comme idée. Et donc pourquoi pas le faire, mais à fond. Et voilà comment on acquit Super Mario 3D Land. Et 3D Land, grosse déception évidemment, c'est un Mario vraiment bof. C'est comment dire, ils ont repris l'idée de Mario Galaxy, au niveau des enchaînements des niveaux, etc., du level design un petit peu, mais en simplifiant à donf et en rentrant vraiment trop dans le sujet des jeux de plateforme très linéaires, ça devient du 2D, quasiment.
Et le problème, c'est que voilà, dans le 3D World, bah, il a fait exactement pareil. Et on était sur Wii U quand même. Console HD, premier Mario 3D en HD. Grosse déception aussi. Ouais, je vous en ai fait un vidéo test. Peut-être que je vais mettre le lien dans la description, je ne sais pas. Si j'y pense. Voilà, mais voilà. Finalement, le véritable Mario 3D, le dernier, bah, finalement, c'était Mario Sunshine. Avec de l'exploration et tout. Et là, voilà que arriva soudainement Super Mario Odyssey. Et là, Nintendo a enfin compris qu'il faut revenir un peu sur la base qu'était les Mario 3D, c'est-à-dire l'exploration dans des mondes immenses. Donc là, c'est pas un bon exemple, parce que là, je suis dans le premier monde, donc il est pas très grand. C'est plus une phase de tutoriel. Mais voilà, ce que je fais, par contre, là, la panoplie de mouvements de Mario est assez incroyable aussi. Ils avaient oublié le triple saut. Voilà, comme ça. Le triple saut périlleux, je sais pas quoi. Ils avaient oublié ça dans Mario 3D World, je sais pas pourquoi. On l'avait plus. Là, c'est bien, il est de retour. Donc, évidemment, on a le salto arrière, classique. On a, le... Comment ça s'appelle, ça, là, le... Le jump avant, comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, là. Où l'on se projette. Évidemment, voilà, hop, l'espèce de saut en Y, là, enfin, c'est... Pas comment appeler ça aussi, mais voilà, on a quand même la base, et en plus de ça, on a Capi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Capi, c'est un espèce de c'est un petit chapeau qui parle, un espèce de fantôme. Voilà, bah là, comme on voit, c'est un truc comme ça, Capi. Voilà, et il peut se mettre dans les chapeaux des PNJ ou de n'importe qui, et du coup, bah il, voilà, là en l'occurrence. Il s'est mis dans le chapeau de Mario. Enfin, même si ça, c'est pas trop un chapeau, hein. C'est pas trop une casquette, ou c'est pas... Mais bon, bref. Et il nous permet comme ça de... Voilà, de rebondir. Voilà, on peut sauter dessus. On peut, voilà, par exemple... Hop! Faire ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Car oui, Mario a aussi un nouveau mouvement. Il fait le rodéo, et juste après, il faut appuyer sur Y pour, hop, qu'il fasse un petit plongeon à l'avant. Et ça, franchement, c'est un mouvement vraiment sympa. Donc voilà, on peut faire plusieurs trucs pas mal, là, voilà, un truc comme ça, hop. Voilà, avec le chapeau, ça c'est quand même une bonne idée. Alors après, j'espère qu'ils vont pas garder pour le prochain Mario, ou alors faudrait qu'il s'appelle Mario Odyssey 2, mais sinon le prochain Mario, s'il s'appelle pas du tout Mario Odyssey 2, faudrait pas qu'il garde cette idée. Voilà, on peut prendre possession de n'importe quel PNJ ou ennemi. Donc ça, enfin, surtout ennemi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, PNJ, c'est pour juste des fois récupérer quelques lunes, et bon, c'est vite fait. Hein. Et bon, normalement, on prend possession de tous les ennemis du jeu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, hop, bon, donc le Goomba, il sert pas à grand chose. Mais ça nous permet de, évidemment, le Goomba, il nous permet de d'aller dans des endroits où on ne peut pas accéder normalement. Hop. Et donc ça, c'est des petites affiches, ça, c'est des petits indices pour trouver, bah ça, par exemple, lui, j'ai pas trouvé, hein, j'ai dû regarder sur internet, parce que le dessin, quand même, il n'inspire pas grand chose, hein. On dirait du paint dégueulasse. Voilà. En fait, fallait aller sur la lune pour ce truc-là. C'est vrai que sur la lune, après, on voit différents personnages qui ont ce genre de couleur. Voilà. Voilà, là, les 8 personnages, là, qui sont devant la lune, là. Enfin, devant la lune, devant la Terre, plutôt. Parce qu'on est sur la lune et on voit la Terre. Ah, logique. Vous voyez, le jeu, il est très, très fluide. Hein. C'est du 60 FPS. Évidemment. Si un jour on a un Mario... Si le futur Mario 3D n'est pas en 60 FPS, là... Ça risque d'être compliqué. Ouais, vous voyez les effets volumétriques là, des nuages, là, c'est plutôt pas mal. Le jeu est plutôt joli. Alors oui, il y a certains niveaux, voilà, on voit que
la faiblesse technique un peu de la Switch, hein, faut pas non plus dire qu'on est sur PS4. Voilà, c'est quand même, ça reste le premier véritable jeu, véritable Mario 3D. Là, je l'ai eu comme ça au pif, alors qu'avant j'arrivais pas à l'avoir en courant après, c'est magnifique. Enfin, c'est le premier véritable Mario pour moi HD. Voilà, on va aller dans une autre planète. Ou quoique, je vais vous montrer peut-être vite fait la transformation de la grenouille. Même si bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais... Ah voilà, il y a aussi ce mouvement qui est repris de Mario 3D Land. Et qui a été par la suite aussi repris dans Mario 3D World. Qui est un mouvement plutôt sympa, mais on l'utilise pas trop souvent quand même, hein, quelques fois. Mais... Mais bon, c'est plutôt sympa d'avoir des... Une panoplie de mouvements assez incroyable. Voilà, les petits épouvantails comme ça, ça permet de... Voilà, hop, de faire apparaître une lune. Et il faut aller le plus vite possible, sachant qu'on a plus Chappy, parce qu'évidemment, Chappy, il est sur l'épouvantail. Hop, voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là, la lune que j'ai récupérée, les lunes sont... remplacent complètement les étoiles, voilà, tout simplement. Les étoiles dans Mario 64 ou Galaxy, ou les soleils dans Sunshine. Et donc vous vous dites, là, si vous ne connaissez pas du tout Mario Odyssey, mais que vous connaissez les anciens Mario, c'est quand même étonnant, on a quand même si... Enfin c'est bizarre d'avoir aussi facilement une étoile, enfin une lune. Mais non, pas du tout, car voilà, là, par exemple, voilà, j'ai 910 lunes, c'est pas pour rien. Les lunes se récupèrent extrêmement rapidement. D'ailleurs, je pense que le jeu a été principalement conçu pour le mode portable. Donc, qu'on puisse récupérer comme ça rapidement une lune, qu'on puisse mettre sauvegarder rapidement. Parce que bon, vous imaginez, vous êtes dans le métro, vous faites votre petite partie, hop, j'ai récupéré une lune, hop. Après, je sais pas, moi j'ai un entretien d'embauche chez SNCF, voilà. Je vais être payé 1 900 € par mois. C'est magnifique. À rien faire. Oula, je sens que je vais avoir des j'aime pas s'il y a des gars qui me suivent, qui travaillent là-bas. Bon voilà, là, en disant n'importe quoi, j'ai pas fait gaffe, je suis rentré dans un niveau secret. Voilà, les niveaux secrets nous permettent... Ah purée, là j'ai fait n'importe quoi du coup. Ah d'accord, je peux pas me rattraper. Allez, bah du coup c'est parfait, je peux vous montrer comment ça se passe quand on meurt. On perd 10 pièces et c'est tout. Voilà, y a pas de système de vie, de toute façon le système de vie ça sert à rien. Hein. Maintenant, avec les sauvegardes, je vois pas pourquoi il y avait un système de vie dans les autres Mario. Alors je veux bien s'il y a pas trop de checkpoints. Mais bon, les Mario, généralement, c'est quand même assez généreux en checkpoint. Hein. Donc les vies, elles servent complètement à rien. Ah voilà, je suis allé trop vite encore une fois. Mais c'est bon, on peut se rattraper. Ah purée, mais c'est pas possible. Ah oui, non, mais c'est pas possible. Ah, j'ai pas le droit de faire n'importe quoi comme ça. En plus, il est facile. Non, bref, c'est des petits niveaux secrets, voilà, comme ça... qu'on débloque, il y en a surtout à la fin du jeu. Bah là il me semble que celui-là il est à la fin du jeu en fait. C'est pour ça qu'il est pas si simple que ça. Voilà. Après je ne sais plus, ça fait un an que j'ai pu toucher au jeu pour ça. Bon, ça reste un jeu qui m'a quand même marqué, donc bon. Un an après, je me souviens quand même de la plupart des trucs. Hop, du système. Alors que je vous jure, par contre, pour Mario 3D World, j'ai dû refaire un petit peu avant pour faire le vidéo test, parce que franchement, sinon j'avais pas grand chose à dire, parce que j'avais pas retenu grand chose sur ce jeu. Tellement qu'il m'a marqué, évidemment. Voilà, Mario 3D World, purée.
La déception du siècle. Hop. Voilà, une petite lune. On voit les lunes, voilà, se collectent très rapidement. Voilà, c'était un petit niveau secret. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et là, vous remarquez quand même que ce monde fait vraiment penser... Fait vraiment penser à du Tim Burton, hein. C'est vraiment... On aurait dit que Tim Burton a bossé avec Nintendo, là, pour faire ce monde. C'est assez incroyable. C'est même du plagiat, à la limite. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, c'est où il y avait le boss. Donc, là, à la place, on a un petit toad. La lune est si belle, je pourrais l'admirer des heures entières. Donc, ça veut dire que... Il faut regarder la lune et qu'il va se passer quelque chose. Non, en fait, je sais pas. En fait, si, mais... pour ça, il faut trouver quelque part. Ah, voilà, là-bas, on voit un machin vert. Vous voyez le petit truc vert, là? Attendez, je vais me mettre un peu au centre, voilà. Et ben, c'est avec ça. D'ailleurs, la distance d'affichage est assez impressionnante. On peut voir de très très loin... Ça, c'est vraiment un point positif. Ah, on peut pas perdre de la vie aussi en tombant de très haut. C'est... On a juste une animation comme quoi Mario est tétanisé. Hop. Enfin, il est bloqué par... Hop. La grande chute. Donc, hop, on prend possession de ça et on regarde la lune. Et comme ça, on va choper, normalement. Ah, parce qu'il faut des fois parler un peu au Toad ou à d'autres personnages. Bon là je me suis planté, j'ai fait R mais... Et normalement il y a une lune qui va apparaître. Si on zoome, si on regarde, il y a un truc qu'on va voir. Ah voilà, une voiture là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah là. Et là hop, on récupère une lune. C'est le genre de truc qu'on peut rester bloqué. Là je pense que ça j'avais cherché pendant au moins 20 minutes quasiment. C'est compliqué. Ah, sur le coup, on le sait pas direct. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire très attention des fois au dialogue. Il peut y avoir des surprises. Voilà, qu'est-ce que je peux montrer d'autre, purée? Déjà 17 minutes 18 minutes, purée. Avec l'intro en plus. Quasiment 20 minutes. C'est une catastrophe. Ah, Luigi. Bon, qu'est-ce que c'est? Tiens, je vais faire vite fait... Je vais vous montrer vite fait ce que c'est, le mode de Luigi. Mais je crois qu'on est obligé d'avoir le Nintendo Online. Alors, Frangin, tu vas te marier? Et tu ne m'as même pas prévenu. Ah non, tu portes juste cette tenue comme ça. J'ai une de ces peurs. Quoique, c'est peut-être pas mieux. Tu veux te connecter au réseau? Ah oui, d'accord, il faut se connecter, c'est pas de chance. Donc je quitte. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ce mode-là que j'ai essayé, hein, vite fait? Quand j'ai eu le online gratos, hein. Comme tout le monde. Et donc, ça c'est un mini-jeu, en fait. C'est les différents joueurs qui peuvent cacher, à droite à gauche, leur ballon. Il faut retrouver leur ballon, en gros, dans tout le niveau. Voilà. Expliqué comme ça, ça a l'air très moyen, mais en vrai, c'est un petit jeu sympatoche. Hein. Bon. Sans plus, quand même. Hein. Bah, j'aime bien l'animation de Mario quand il court, vraiment, quand il sprint. Comme ça, là, après le saut en avant, là, c'est vraiment pas mal. Ça me fait penser quand il sprint dans Super Mario Bros. 3 sur NES. Alors, on va au pays des chutes, voilà. Je vais vous montrer vite fait ce niveau, qui est plutôt sympa. Bon, après, il est pas très joli, mais... Après, c'est le premier, c'est le deuxième vrai... C'est le premier vrai monde. Et c'est le deuxième monde. Ah, il est pas très grand aussi. Voilà, bon, ça va quand même, hein, mais... Avec la texture là, de l'herbe, etc. C'est vrai que c'est pas... C'est là qu'on se dit... Nintendo... Il continue à faire des consoles un peu en retrait. Hein. Rapport à la concurrence. Hop.
Hop, on peut prendre le chomp, et là c'était pour détruire des rochers. Bon, il n'y en a plus, hein, parce que j'ai tout fait. On peut aussi devenir un tyrannosaure, c'est un peu du nawak. Hein. Voilà, ça devient Jurassic Park. Alors, il est où par contre? Par contre, voilà, ça c'est le côté un peu négatif de la chose. Bon, ça a été voulu, et moi je trouve ça un peu bizarre. C'est voilà. Vous vous dites, voilà, quand je dis tyrannosaure, vous vous dites un tyrannosaure qui ressemble à Yoshi, quoi. C'est, je sais pas. Un truc rigolo. Ah bah non, on a vraiment... Pour le coup, c'est vraiment un tyrannosaure, quoi. C'est... Enfin, un raptor, là. C'est vraiment un raptor. Il sort tout droit de Jurassic Park, quoi. Donc le fait de faire quelques PNJ ou quelques monstres réalistes comme ça... C'est quand même... Bon, je quitte parce que c'est le mode invincible en gros, hein, mais bon. Alors on peut, hop, en faisant un petit geste avec la manette. Bon, moi notamment je joue à la manette pro. Bon, avec un petit geste sur, hop, le côté à gauche. On peut balancer Chappy, le faire tournoyer autour de nous. Pour faire une attaque tournoyante à la Zelda. Enfin, à la Link style. Hop. La musique qu'on entend en fond, c'est la meilleure c'est quasiment la meilleure musique du jeu. Hein. Et elle se trouve dans le premier niveau. Mince. Le premier réel niveau. Voilà, ça, c'est aussi l'une des nouveautés. Hein, c'est le fait de... Hop. Carrément de rentrer dans les murs, là, et d'être en mode 2D, comme ça. C'est vachement sympa. C'est quand même... Alors, Nintendo, il trouve toujours des idées. Hein. Bon, là, il y a Peach qui voyage. C'est cool. Elle voit Mario qui se travestit, mais elle s'en fiche. Voilà, c'est où il y avait le boss. D'ailleurs, le boss, on pouvait le voir, je pense, de là-bas, franchement. Distance d'affichage, elle est quand même vraiment bien. Bon, alors évidemment, voilà, l'herbe qu'on voit ici, là, elle est... On la voit pas à plus de 20 mètres, hein, mais... Bon. Pour le reste... Les ennemis ne dépopent pas, les plateformes non. C'est quand même bien foutu. Après, hop, on a aussi un système, voilà, on a la carte. On peut se TP direct d'un point A à un point B avec les bah, les drapeaux relais. Donc les drapeaux relais, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est... Je sais pas si je vous ai montré... Voilà, on en voit un là-bas. Voilà, c'est les checkpoints en gros. Et puis par la suite, on va pouvoir... se TP directement au drapeau relais, ou aussi au vaisseau, ah, si on a la flemme. Voilà, là je vous ai montré vite fait le niveau. On va pas passer trois plombs, parce que j'ai envie de vous montrer pas mal de choses. Voilà, alors dans... Alors dans le vaisseau... Hop, on peut... Le vaisseau qui est alimenté avec les lunes, évidemment, hein, donc ça reprend l'idée de Mario Galaxy 2 avec le vaisseau de Mario qui était alimenté en étoiles. Hop. Donc là voilà, on peut changer de couvre-chef, etc., de tenue. C'est plutôt sympa, hein. Il y a toutes sortes de trucs. Hein. Il y a le clown flippant, hein, des films d'horreur. Il y a, voilà, Barbe Tranchante, je sais pas comment on l'appelait. Tout droit sorti de Rayman 2. Voilà, l'homme de Cro-Magnon. Voilà, bon, on va prendre le classique. Tenue de samouraï, là-haut. À Kama. Ou ça, ah, ça c'est ignoble. Avec les oreilles là. Attendez, c'est où qu'il y a le... Y a pas de chapeau là. Le chapeau de Diddy Kong. Il est où? Ah ouais, il est là. Une catastrophe. Hein. c'est horrible. Bon allez, on va mettre Mario en mode marié. C'est pas mal. Ah, ça c'est grâce à l'amiibo qu'on débloque. Ouais, parce qu'ils ont fait forcément des amiibo hein, pour ce jeu. Donc du coup... oui, bah faut sortir pour changer de niveau. Hop, là-dessus. On va aller dans un autre pays. Donc évidemment, au niveau de l'histoire, hein, je vais rien dire. Hein, c'est classique, hein, Peach est fait kidnapper par Bowser, et après on poursuit Bowser dans différents pays. Et oui. C'est pour ça que ça s'appelle Super Mario Odyssey. C'est une grande odyssée. Ça veut dire qu'on va vraiment dans...
n'importe quel environnement. Donc c'est la totale surprise à chaque monde, à chaque découverte d'un monde. Donc on va faire le pays des sables. C'est le pays juste d'après. Et je trouve que pour moi c'est quand même le côté positif de ce Mario. Mais c'est aussi un côté un petit peu négatif. Car bon, il y a eu de la liberté au niveau de... Beaucoup de liberté au niveau des environnements. Là on voit, voilà, l'environnement est complètement désertique, c'est différent, mais avec un côté très mexicain, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Mais voilà. Le problème c'est que si on fait quelque chose de très... Enfin, comment dire, si on a un design qui est pas linéaire, donc c'est-à-dire un design qui reste du Mario, donc ça reste très animé, très Disney style, je sais pas comment dire, ça reste très dessin animé. Le problème c'est que là, voilà, on a un design qui va un peu dans tous les sens, et voilà, je vous ai raconté, voilà, pour l'histoire du T-Rex, enfin, du Raptor plutôt. À chaque fois je me plante. Et ben là voilà. Qu'est-ce que ça fait là ça? Voilà, un taxi des années 80. Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que ça fout là? Voilà, on voit bien le pôle échappement et tout. Tous les détails, hein, on se croirait dans un jeu de voiture là, Need for Speed. Et lui? Qu'est-ce que c'est ça? Et... Voilà, c'est un personnage plutôt réaliste, mais... très mal modélisé. On dirait que sa peau c'est de la cire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mannequin. Un mannequin en plastoc. Voilà. Hop, voilà. Ça fait peur un petit peu, hein, ça fait peur. Ils auraient dû quand même s'arrêter un petit peu, Nintendo, là. Ils sont allés un peu trop loin. Même si ça a été une grande surprise pour moi, mais le niveau qui est pourtant pas vraiment le plus beau, c'est l'un des meilleurs niveaux à parcourir. Voilà, qu'est-ce que je vais montrer là? Hop, allez, on peut monter sur ce petit truc là. Voilà, on s'amuse. C'est fun. Avec la petite musique. Il me semble qu'on peut, voilà, on peut courir sur le poison. Hop, et là, direct, on rentre là-dedans. Alors évidemment, ouais, bah, Chappy souvent il nous dit si ça sert ou pas de revenir. C'est évidemment dans ce genre de petit niveau, il n'y a pas qu'une lune, il y en a plusieurs. Normalement il y en a deux. Il y en a une qui est très facile à avoir et une autre qui est bien cachée. Enfin celle qui est très facile à avoir, elle est à la fin du niveau forcément. Parce qu'on n'est pas venu ici pour rien. Il faut quand même avoir au moins une lune. Voilà, je le fais à l'arrache. Alors normalement on va avoir la lune classique. Ah mais vous avez vu qu'il y avait un autre chemin qui était un peu plus hard. C'était peut-être par là qu'elle était la lune, je sais plus trop. Hop. Et voilà, et après on a un petit tuyau pour repartir de ce petit niveau bonus. Enfin ce genre de petit niveau, moi je les trouve sympa. Donc encore là il était hyper simple parce qu'évidemment il n'est pas rendu très loin celui-là. Mais plus tard on a des niveaux un peu plus hard. Alors je vais vous montrer, hop, du coup le monde qui est vraiment réussi en termes de gameplay, mais qui a un design assez particulier, hein. On se croirait dans du GTA. GTA dans Mario. Hop, ça a été la grande surprise. Et d'ailleurs, c'est le premier monde que l'on a vu dans le trailer de Super Mario Odyssey. Voilà, aussi on a quelques activités, on a de la pêche là-bas. Je sais pas si je vais vous montrer vite fait. Enfin, c'est vite fait, ça c'est pour récupérer, c'est une petite énigme pour choper une lune qui est en dessous ou un poisson, voilà, je crois qu'il faut pêcher un poisson qui contient une lune, voilà. Voilà, donc on fait ça, hop, c'est de la pêche, hein. Voilà, là il y a un poisson, il va arriver, hop, bon je me suis planté. Et il faut se référer
par rapport à la vibration de la manette pour sortir le poisson, voilà. Ah, j'ai senti que ça a bien vibré, donc ça veut dire qu'il a mordu à l'hameçon. Hop. C'est-à-dire qu'il a mordu l'hameçon et que j'ai pu le récupérer. Tout simplement. Donc voilà, des petits bonus comme ça, plutôt sympa, les petits... Petit machin bonus, moi qui se répète un petit peu, parce que là par exemple la pêche, ça on l'a sur quasiment tous les mondes. Hein. Hop. Ou dans la moitié, je dirais la moitié. Alors voilà, il y a celui-là, il est magnifique par contre, lui il m'a un petit peu mis sur le cul par contre celui-là. Ce monde-là, il est magnifique. Bon, on va le voir plus tard. Je vais du coup vous montrer. Pays perdu, il était pas mal. Il a un design très particulier, mais vraiment pas mal. Avec un côté crayon de couleur, là, c'est vraiment sympa, hein. De toute façon, vous le voyez, là, avec le petit écran. Hop, qu'est-ce qu'on va choisir? Voilà, c'est celui-là, Pays des gratte-ciels. New Donk City. Vous allez voir le truc. Ah, je vais aussi parler, voilà, là, je vous ai parlé pas mal du design, le fait que Nintendo, ils ont pris quand même énormément de liberté, peut-être un peu trop. C'est vrai que c'est un peu spécial quand même, là. Voilà, le jeu, par contre, oui, il est assez aliasé, hein, mais bon, pour que ça tourne en 60 FPS, il le faut, je pense. On n'est pas en 1080p, on est en 900p. C'est ça aussi qui joue. Évidemment, par exemple, Luigi's Mansion 3 qui est sorti récemment, lui il marche qu'en 30 FPS, mais à côté de ça, il y a presque pas un pet d'aliasing. Franchement, faut chipoter pour dire qu'il y a de l'aliasing. Dans Luigi's Mansion 3, il n'y en a pas. On est en Full HD, 1080p, 30 FPS. Voilà. Mais là, voilà, évidemment, à Mario, il faut que ça soit en 60 FPS et ils ont dû baisser un peu la résolution. Voilà, faut faire quelques sacrifices. Et c'est ça que je trouve bien chez Nintendo, c'est qu'ils font quand même des sacrifices. Alors que les autres développeurs, bah, ils s'en fichent, hein. Ils font tout pour que ce soit magnifique, même si ça rame et que c'est en 20 FPS. C'est un peu ça le problème. Nintendo, ils sont quand même toujours à fond sur la jouabilité. Ça, c'est beau. Voilà, on peut rebondir sur les taxis, tout ça. Là, vous voyez, la musique en fond, elle est plutôt pas mal, mais elle est pas folle. Hein. C'est... Généralement, l'OST, elle est sympatoche, mais sans plus. Franchement, à côté, Mario Galaxy, il explose hein, au niveau de l'OST. Mais par contre, Mario Sunshine est moins bon. Voilà, Mario Sunshine n'était pas terrible en termes d'OST. Donc bon, je dirais, c'est pas une déception, parce que voilà, Mario Sunshine, c'était pareil, hein, c'était pas terrible. Enfin, c'était vraiment moyen, Mario Sunshine, c'est classique, c'est... Sans plus. Ce qui faisait vraiment voyager dans Sunshine, c'était vraiment bah, les différents mondes qui étaient vraiment différents, qui avaient une ambiance propre, et là je trouve qu'on a gardé ce côté un peu magique. Voilà, donc New Donk City, évidemment c'est une référence à, bah voilà, vous voyez les échafaudages. Alors comment ça marche déjà? Je crois qu'il était pas facile celui-là. Je me suis planté. Hop, on peut même prendre un char, hein, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, hop. Attends, est-ce qu'on peut le faire tomber? Je vais faire une attaque rodéo. Hop. Que comme ça qu'on peut le tuer. Vous avez vu qu'il y avait quand même quelques petits lags des fois. Hein. Le jeu a quelques petits lags. Ouais, bon, c'est pas bien grave. C'est surtout dans cet environnement-là, peut-être qu'il y a plus de choses à afficher, je ne sais pas, les différents immeubles. C'est surtout dans ce niveau-là, parce que les autres, ils sont plutôt fluides. Hop. Ah d'accord, j'ai fait n'importe quoi. Bon, quittons le niveau. Vous avez vu en gros... Ah bah, on peut pas quitter. Ah, ça c'est un niveau difficile parce qu'il est... Ça, c'est quand on termine la... Quand on bat Bowser à la fin. Voilà, le boss final.
D'ailleurs, il y a un deuxième boss final après, un boss final optionnel entre guillemets, voilà. C'est un boxeur un peu plus vénère. Mais bon, ça reste quand même, il reste quand même très simple à battre. Hein. C'est voilà, les boss voilà dans ce jeu. Peut-être que je vais un peu dans tous les sens là. À la base, je voulais parler du je vais parler de quoi déjà? Parce que j'ai parlé du gameplay, j'ai parlé du design, des graphismes. Hop. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, bah la bande son aussi, voilà. Il y a réellement il y a que deux thèmes qui sont marquants. Voilà, il y a celui qu'on a entendu avant, voilà, qui est plutôt pas mal. Le thème du deuxième monde. Et le thème aussi qu'on va entendre bientôt là. Le thème très jazzy. Bon, pas celui-là, là c'est juste un remix. Hop, voilà. Je parle à lui. Allez. Un petit festival. Par contre, pourquoi il me proposait en version 8 bits? J'ai pas compris là. Ah, ça c'est. C'est l'un des rares moments où il se passe vraiment quelque chose de très original, parce que je veux dire que par là que généralement le jeu quand même nous surprend par ses environnements, mais par contre par ses différents level design ou ambiance qui changent, etc. Il y en a pas beaucoup, hein, c'est assez rare. Voilà, des moments comme ça, là, comme celui-là, dans le jeu, il doit y en avoir que deux ou trois, hein, en comptant celui-là. Ah, et puisqu'à un moment, il y a aussi... Il y a aussi le boss de New Donk City, qui est assez original. Enfin bon, son design est, voilà, est très simple, hein, il n'est pas terrible. Mais par la façon de le vaincre, voilà, en étant un char, c'est assez amusant. Voilà, tout normal, là. Mario, il court à la Sonic. Il court sur les murs. Voilà, et vous voyez que, voilà, en termes de level design, c'est quand même très simple, c'est pas difficile. C'est vraiment à la portée de tous. Et c'est ça que je veux reprocher, voilà, surtout au jeu. C'est que pour avoir de la réelle difficulté, il faut attendre. Bah, il faut attendre la fin du jeu, en fait. Quasiment. Et après la fin du jeu, on a une grosse surprise, voilà. Donc là, c'est un gros spoil. Mais bon, moi, j'aime bien spoiler dans les Mario. Et du coup, après la fin du jeu, eh bien, on débloque de nouveaux niveaux, et souvent c'est des petits niveaux fichtre, petits niveaux bonus, vous savez, là, qui sont très très plateforme à l'ancienne. Ça, c'est vachement sympa. Donc faut revenir dans les différents mondes qu'on a déjà parcourus, et normalement, voilà, on a des tuyaux gris qui nous permettent de nous TP dans ce genre d'environnement, enfin des niveaux très des niveaux très très plateforme, voilà. Voilà, il y a Mario qui danse, c'est marrant. Pourquoi ils ont pas gardé le... Enfin, je sais pas. Parce que le personnage Pauline, moi, je le trouve très réussi. Hein. Pourquoi ils ont pas gardé ce style un peu comme ça pour les autres personnages, hein, qu'ils soient... Voilà, qu'ils aient une tête un peu de... De mannequin en plastoc, c'est bizarre quand même. Alors, on va repartir. Alors qu'est-ce que ça fait si je fais 8 bits par contre? Ça, je me souviens plus. C'est peut-être la même chose, sauf qu'on l'entend en 8 bits. En version 8 bits. Ah bah c'est ça. Après, est-ce que ça chante ou ça ne chante pas du tout?
Ah, ça le chante pas, non. Ah, je ne pense pas. Non. Non, mais c'est marrant. Bon, voilà, on peut partir. Hop, oui, aller dans un autre pays. On va les quitter comme ça pendant leur festivité, c'est magnifique. Pays de la mer, moi, il m'a plutôt plu. Ça m'a fait penser à du Mario Sunshine. Tiens, on va y aller. Voilà, et donc, ouais, ils ont pris tellement de liberté qu'à un moment, on voit un dragon... un dragon sortant de Dark Souls. C'est quand même peu commun. D'ailleurs, est-ce que je pourrais vous le montrer? Ça, je sais pas. Et le boss en lui-même était pas fou. Enfin, voilà, les différents boss, ils sont plutôt simples à battre, souvent. Après, des fois, faut un petit peu réfléchir pour comprendre... pour savoir comment les battre. Ils sont un peu plus durs quand on refait le jeu et qu'on a leur version en plus hard. Voilà. Mais bon, c'est-à-dire que normalement on doit pas se faire toucher une seule fois, il me semble, c'est ça. On doit pas se faire toucher une seule fois pendant le combat. Bon, de là à dire, voilà, les boss ils sont tellement simples que... Que même avec cet handicap de ne pas se faire toucher une seule fois, bah ça reste pas très dur. C'est ça le problème. Hop, donc là vous allez voir, c'est pas mal. Donc voilà, la réelle difficulté commence quand on finit le jeu. Mais voilà, la deuxième moitié du jeu, je dis carrément moitié parce qu'il y a énormément de niveaux secrets et tout, en plus, qui sont vraiment sympas. Donc autant, voilà, le post-crédit, il est vraiment pas mal. Ça vaut vraiment le coup. Puis après, on a un Bowser plus vénère. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Hop, vous voyez ça, ça fait vraiment penser à du Mario Sunshine. Le fait de se balader comme ça, hop, en se faisant projeter par de l'eau. Bon, évidemment, on est limité, et hop, au bout d'un moment, il n'a plus d'eau. On est limité, on peut pas aller hop plus haut que ça par exemple. Bon, je sais pas, on est... on est quoi là? On est à 10 mètres au-dessus du sol. Hop, il faut à chaque fois retomber sur un seul plat pour pouvoir remonter encore plus haut. Voilà. Pour être à 10 mètres par rapport... hop, par rapport à la plateforme. C'est un peu compliqué de me faire comprendre, mais... C'est compliqué d'expliquer ça. Oh voilà, l'eau elle est plutôt bien réalisée. Hein, ce qui est fou, c'est que je trouve que l'eau est mieux réalisée dans ce Mario Odyssey que dans Uncharted 4. Qui est quand même Uncharted 4, c'est sur PS4, donc il y a quand même un petit problème. L'eau dans Uncharted 4, purée, il y a un problème quoi. Il y a un problème. Bon, certes, elle est volumétrique, tout ça, c'est pas mal. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de volumétrie. Ah, un petit peu, quand même. Hop. Mais sinon, l'effet de... L'effet de particules, là, enfin, quand on nage, est super mal fait dans... Voilà, dans Mario Odyssey, ça passe crème, mais dans... Dans Uncharted, franchement, il y a un problème. C'est pas très beau. Ouais, et puis voilà, les fonds sous-marins sont quand même plutôt bien réalisés. Hein. Contrairement à Mario Sunshine, évidemment. Mais c'était un peu le point faible du jeu. Les fonds marins. Voilà, hop, on peut appuyer sur R et Y en même temps pour nager comme ça en face. D'ailleurs, faut faire toujours ça pour quand on fait des courses et tout. Il faut le faire dans... Faut le faire au bon rythme parce que sinon on se plante et à la place il fait une simple rodéo, je pense. Enfin, si je fais trop vite par exemple, voilà, il fait ça, il balance le chapeau. Bon, on perd du temps du coup. Donc voilà, le système de nage, voilà, il est pas fou. Et surtout que dans les anciens Mario, enfin dans Mario Galaxy, il me semble que le système de la nage était plutôt pas mal.
Quoique je sais plus. Ah non, 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 c'était pareil. C'était pareil. Là, ils ont pas changé le système. Hein, depuis Mario Sunshine. Même, ce qui est bizarre, c'est dans Mario 64, le système était mieux. Dans Mario 64, je trouve que c'était mieux. C'est assez étonnant qu'ils aient pas gardé ce système de nage par la suite, Nintendo. Mais... voilà, heureusement que on peut nager avec le poisson. Alors, comment on fait déjà le boost avec le poisson, là? Non, c'est pas ça. Je peux aussi planter les boutons. C'est quel bouton, déjà? Ça, c'est pour regarder en bas, juste. Ah, voilà, c'est... faut appuyer sur Y et B en même temps, c'est ça. Ça, on va un peu plus vite. Ah, d'ailleurs, est-ce que on va revoir... je sais pas s'il est par là, le Koopa. Ah bah, bah, c'est ça. Ah bah non, ça c'est Beach Volley. C'est... voilà, on a carrément du Beach Volley. Hein, c'est quand même pas mal. Plusieurs petits mini-jeux, bon, c'est pas fou, hein, mais... par contre, où est la course avec le Koopa? Bah, on est juste à côté, en fait. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. On a toujours les courses avec les Koopas. Comme dans les anciens Mario. Enfin, en tout cas, dans 64, il y avait ça. Dans Sunshine aussi, sauf que c'était pas avec un Koopa, il me semble, avec un personnage assez bizarre, là, violet. Hop. Ah mince, non, faut se connecter. Le fichtre. Oui, bah, ça va pas marcher, là. Ah si. Quand même des trucs. Ouais, mais non, moi je m'en fiche du résultat, voilà, c'est ça. Faut parler au Koopa. Quand même. Je tente le coup. Ouais, donc là, ça va nous montrer vite fait le parcours. Ça, c'est plutôt marrant. Je trouve ce genre de course. Alors, attention, il me semble que celle-là n'est pas facile. Ah, déjà, là, ils sont à fond, là. Et normalement, le Koopa doré, c'est plus fort. Hop, donc là, faut foncer. Hop, ne pas se perdre, hop. Je pense que le mieux là c'est de choper un truc comme ça. Hop. Et peut-être, je crois que l'étoile elle était en haut. Donc peut-être aller là. Voilà, petit raccourci. On aime tricher. Bon, évidemment, j'ai pas fait un temps exceptionnel. Mais c'est pour vous montrer le truc. Et donc, ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ce genre de petit truc. Hop. Putain, l'animation quand il plonge, elle est vraiment pas mal, voilà, comme ça. Puis quand il nage aussi. C'est quand même bien foutu. Alors, je sais pas... ah, les perro-trucs, c'est... c'est un perroquet qui nous donne à chaque fois des indices. Quand on est un peu perdu, on peut... on peut lui demander des indices. Pour trouver... pour trouver quelques lunes. Pour grappiller quelques lunes. Et c'est vachement... il aide vachement. C'est... ce n'est pas à négliger. Donc voilà, hein, plus tard on va aller sur la lune carrément. Forcément. J'en ai parlé avant. C'est du spoil. Ah bon, que voulez-vous, moi? Quand je veux parler plus en profondeur d'un jeu, je suis obligé de spoiler. Obligé. Ah, c'est ça. Là, on s'attend à un truc de fou, hein. Le pays des ruines, tout ça, l'ambiance et tout, purée, c'est du Dark Souls. Là, c'est vraiment ça, là, une ambiance austère et tout. D'un coup, qu'est-ce qui se passe? Et le son en même temps, là.
c'est plus la même chose. Hein. Alors, j'ai l'impression que j'ai branché Dark Souls sur la Switch et voilà, j'ai changé de jeu. Et vous allez voir le dragon, c'est vachement bien fait là par contre, je trouve. Hop. Voilà, bon, évidemment, on peut lui parler, c'est magnifique. Ouais, il dit juste je suis fatigué, quoi. C'est parce que je l'ai vaincu. Bah, tout est normal, hein. Peach elle est à côté, hein. Je sais pas, elle parle peut-être au dragon. Hein. Hop. Plutôt bien fait, vachement bien fait je trouve le dragon. Hop. Puis je crois que voilà, derrière lui il y avait une lune, une connerie comme ça, voilà. Toujours des petits secrets. Hop. Hop, et quelquefois on peut trouver des petites fusées comme ça, et ces petites fusées nous mènent directement à des petits niveaux. Des petits niveaux de plateforme, voilà. Je vais repartir parce que vous avez compris le truc. Hop. D'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est que quand on débloque vraiment toutes les lunes, à la fin, on a un dernier monde qui se débloque. Et en fait, c'est pas véritablement un monde, c'est un gros niveau final qui est assez hard, voilà. Et qui est vraiment sympa. Je trouve qu'ils l'ont pas loupé. Il fallait forcément quand même de la difficulté quand même dans un Mario un minimum. C'est dans chaque Mario 3D, il y a des moments où c'était pétage de câble. Et donc moi, c'était la grande déception quand je l'ai fini la première fois, voilà. Je me suis dit, mais c'est tout. J'ai l'impression d'être resté dans le premier. Enfin niveau difficulté, j'ai l'impression d'être resté dans le premier niveau, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Même le boss final est très très simple et tout. Et bon voilà, le jeu se réveille, il révèle sa véritable identité en termes de difficulté, après, voilà. Après qu'on ait vaincu Bowser. Et qu'on ait le générique. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Parce que là... Ah, Pays de la Lune peut-être, hein. Ça fait très Mario Galaxy, hein, Pays de la Lune forcément. Attendez, je voulais vous montrer quand même vite fait l'un des plus beaux, ouais, l'un des plus beaux mondes du jeu. Il est vraiment magnifique celui-là. Vous voyez, les temps de chargement sont quand même assez rapides. Alors voilà, là j'ai plus de lune, j'ai beaucoup de lune, donc ça met un peu plus de temps que d'habitude les temps de chargement. Et normalement, on n'a même pas le temps de voir le petit bateau qui passe, quoi. Enfin, bateau, le chapeau, ce que je raconte. Petit vaisseau chapeau. Alors ça, c'était une énigme. Voilà, une énigme visuelle. On voit qu'il manque un os. Enfin, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut avec le chapeau de Peach, lui? Hop, hop. Voilà, donc là c'est un niveau voilà complètement aquatique. Hein. Ouais, là c'est franchement c'est magnifique. Avec la musique en plus. La musique nous met complètement dans l'ambiance. Même si c'est pas une musique mémorable, évidemment. Je voulais dire, il y a vraiment que deux thèmes vraiment qui sont mémorables. C'est quand même le thème qu'on a dans les deux trailers d'ailleurs. C'est les thèmes qu'on a dans les deux trailers, c'est magnifique. Ah, il y a aussi un thème très spécial qu'on a à la fin quand on combat Bowser. C'est une espèce de... C'est un peu du rock'n'roll... Du rock'n'roll un peu bas de gamme. Ça fait un peu bizarre d'avoir ça à la fin. Bon voilà, ils se sont vraiment... Quand on peut le voir, Nintendo,
Ils se sont vraiment amusés au niveau de... De la DA. Enfin voilà. Bon, lui évidemment on le voit dans la première fois dans Mario 64, hein, dans un niveau souterrain il me semble. Enfin, on est dans une espèce de grotte. Hop. Espèce de Yoshi bleu là. Ah ça pète quand même. Sur une télé 55 pouces, ça pète. Fiche-toi. Et d'ailleurs l'aliasing est moins perfectible ici. C'est moins aliasé. Tout est réussi dans ce monde. C'est incroyable. Voilà, on va changer. Tiens, je vais vous montrer un monde qui est assez original, qui est pas très grand. Enfin, celui-là est pas immense aussi. Hein. Après, voilà, ils sont quand même un minimum grand pour être fun, évidemment. Il y a juste le pays des nuages qui est, voilà, moi je m'attendais à un truc de fou. Mais il se passe rien. Voilà, il y a juste un boss. Et c'est pareil pour le pays des ruines, voilà. Alors là, quand on voit ça, on se dit, purée, ils vont faire un truc de fou. Finalement, non. C'est à moitié comme si Nintendo, ils disent, ah, on aurait pu faire un tel niveau, mais non. Voilà, c'est la petite blague. C'est le petit troll de Nintendo. Mais bon, voilà, le niveau, par exemple, pays de Bowser est plutôt sympa. Même si ça sent quand même, c'est un peu du réchauffé, hein. On a déjà eu ce genre de niveau un petit peu dans Mario 3D World, qui se passe dans les temples chinois, etc. C'est pas une grosse nouveauté, mais bon, il est quand même réussi. La musique est pas mal. La musique d'ambiance. Voilà, Pays de la Lune, c'est bon, c'est un peu une déception, mais bon, après c'est... Celui-là, c'est plus un niveau qu'on a à la fin. Qu'on a vraiment à la fin. Plus pour le scénario qu'autre chose. Même si, bon, voilà, c'est là qu'on va avoir le dernier niveau qui est... Enfin, le dernier niveau de la première partie du jeu. Avec Bowser, on contrôle Bowser à la fin, c'est vraiment pas mal, une bonne idée. Mais c'est pas difficile, voilà, c'est hyper simple. Ah, si vous voulez de la difficulté, il faut aller dans le côté très obscur. Voilà. Là, on a un niveau de la mort. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Le côté obscur, ça c'est un monde, c'est un boss rush en fait, tout simplement. On combat les différents lapins boss, voilà, qui sont les sbires, les nouveaux sbires de Bowser, qui remplacent les sept, comment ils s'appellent déjà, Lenny, Carl et je sais pas quoi là. Lemmy, il y en a un autre qui s'appelle Brutus, là, ou je sais pas trop quoi. Ben, les frères de Mini Bowser, il me semble. Qui ne sont pas de la partie, là. Les frères Koopa. Les fils de Bowser. Ah voilà, le pays de la cuisine, tiens, je vais vous montrer celui-là parce que je le trouve atroce. Je le trouve très moche. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris quand Nintendo ils se sont dit, purée, on va sortir ça. On va sortir ce truc-là, on dirait des fils de fer, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? On dirait du cinéma 4D, le tout début, avant de modéliser vraiment le truc, de mettre les textures, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors on parie sur Unity, je sais pas, sur n'importe quel moteur graphique. Enfin, Cinema 4D c'est pas un moteur graphique, mais c'est plus compliqué que ça. Mais bref, vous avez compris le truc. Ils ont pas mis les textures. Hop. Et même le volcan, il est moche.
Alors c'est un monde qui se veut, voilà, c'est le monde des sucreries. Et bon, le monde des sucreries, je suis désolé, il y avait déjà ça dans Mario Galaxy, et c'était 10 fois plus beau. Là, c'est moche. Non, c'est pas beau. Voilà, c'est le gros fail de Nintendo à ce niveau-là, voilà. C'est pour ça que j'ai dit que, tout à l'heure, que, voilà, la DA, c'est à la fois une bonne idée de faire une DA très, très riche, mais c'est à la fois aussi une mauvaise idée. Faut pas non plus trop en abuser. Et là, j'avoue que... Ah, et ça, c'est aussi le problème du jeu, c'est que quand on est, voilà, à plus de 20-30 mètres d'un PNJ, bah, le PNJ est en 30 images. Donc il rame un petit peu, voilà. Au loin, on voit que les PNJ rament. Voilà, la fourchette, si on voit un peu plus loin... Ah, elle ne rame pas encore. Je vais peut-être aller par là. Ah, d'accord. Voilà, parfait. Ici... Ah non, la fourchette elle reste fluide. En fait, je crois que c'est que les... C'est que les habitants, là, les terriens, là, je sais pas. Nous. En version... Voilà, en version... Dégueulasse. Ah mince, je suis trop près. Là, c'est en version vraiment... mannequin, quoi. Mannequin en plastoc. Y a pas mal de PNJ, hein. Par contre, ça c'est pas mal. Il y a de la vie. La petite Peach en tenue de fermière, je sais pas. Voilà, on peut carrément prendre aussi, voilà, les boules de feu. Prendre possession des boules de feu, hop. Quand même de sacrées bonnes idées. Hop. Hop, une petite lune. Voilà, et voilà, quand on commence le monde d'ailleurs, évidemment on n'a pas accès à tout le monde comme ici. Et on le voit en face, là il y a une lune. Ça c'est plutôt les lunes, c'est les lunes principales qu'on est obligé de récolter pour avancer dans le jeu. Parce que oui, on peut finir le jeu sans avoir toutes les lunes forcément. Comme tous les autres Mario 3D. Hein. Et bon après, si on débloque toutes les lunes, on débloque vraiment aussi les niveaux plus hard, etc. Comme les autres Mario 3D, finalement. Et donc voilà, ces lunes-là, c'est les lunes... Et je bouge non-stop parce que c'est la manette qui bouge. Il y a la six-axis, là. Et ça, c'est pénible. Gyroscope. T'as pas compte comment on enlève le... Voilà, c'est bon. C'est vraiment bien de déplacer la caméra comme ça en 3D, complètement. Comme à la bonne vieille époque. Hein. Sauf qu'en plus, là, la caméra se place bien. Contrairement à Mario Sunshine, par exemple, où c'était un peu compliqué des fois. Hop. Oh, ça passe. Donc voilà, ces lunes-là. C'est l'une qu'on doit récupérer. Et quand on en récupère une, après, on a une petite cutscene. Et ça nous montre après que le monde... se dévoile, enfin, que comment dire, la cutscene nous montre que le monde devient de plus en plus grand, qu'il y a des trucs qui se dévoilent, voilà. Tout simplement. Par exemple, je sais pas, moi, il y a une porte qui s'ouvre, hop, oh, Dodu, on peut aller dans cette salle. Cet exemple est magnifique. Ah, ça c'est plutôt rigolo là. Ah, les plantes carnivores qui peuvent manger Chappy. Hop. Voilà. Distance d'affichage, attention. Hein. Là on est très très loin. Le monde il est assez grand. Hein. Parce que là je parcours vraiment vite fait à l'arrache, mais quand on... s'embête à récolter les lunes et tout, on met bien plus de temps, évidemment. Là, pourtant, ce monde, au niveau du gameplay, il est pas mal. Mais voilà, vous avez vu que la DA, c'est une catastrophe.
Qu'est-ce qu'on peut choisir d'autre? Bon, allez. Pour les nostalgiques, un petit royaume champignon. C'est beau. Voilà, le petit royaume champignon. De l'époque. Bon, le château, il est rapetissé quand même. Hein. Il est plus petit que dans Mario 64, hein, vous allez voir. On peut pas aller partout. Hop. Voilà, on a carrément le jardin de Peach. Avec de nombreux clins d'œil à Mario 64. Voilà. Et ça, c'est beau. On a d'ailleurs un remix du château de Peach de Mario 64. Qui est un thème culte. Hop, donc du coup, si vous voulez chipoter, il y a trois thèmes marquants dans ce jeu. Mais bon, même si là c'est un remix, donc c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Là, on a vu la totalité du château. Hein. Il y a que ça. Voilà. C'est un peu la déception. Ils auraient pu faire des niveaux là à l'intérieur et tout. Là, on ouvre les portes et tout. Ils auraient pu faire des trucs. Et bon, après, ça reste quand même un petit monde sympatoche. Et c'est surtout là qu'on recombat les boss, mais en version plus hard. C'est plutôt pas mal, mais bon, c'est un petit bonus, quoi. Et bon, on s'attend tellement à plus quand on voit carrément le château. Hop. Au moins, il y a ça. Voilà, petite référence. Sauf qu'à la place, voilà, là, on a une vieille étoile. Ah, et d'ailleurs, c'est des étoiles dans ce monde-là, évidemment, vu que c'est le monde de Mario 64, il faut forcément que ce soit des étoiles. Mais bon, ça compte comme des lunes. Et comment dire... Aussi, voilà, là c'était une référence à Mario 64, forcément, quand on regarde en haut. Et hop, normalement, dans Mario 64, on est projeté dans un monde, voilà, dans un niveau. Bah là, on a juste une étoile. Bon. Hop. Ah bah ça, c'est encore une autre étoile à récupérer, bon, que j'ai déjà eue. Donc voilà, Toadette, en fait, là, on peut plus lui parler. Mais voilà, elle nous demandait plusieurs défis à faire. Ouais, elle nous proposait, plutôt, plusieurs défis à réaliser. Mais bon, après, c'est généralement, c'est des trucs genre récupérer 100 pièces dans le niveau, je sais pas moi, le niveau des hommes de Cro-Magnon, ou faites 500 fois, balancer 500 fois Chappy, c'est des missions, voilà, à 2 balles. C'est un peu les succès de Steam ou les succès dans les jeux Sony. Voilà, c'est un peu bof. Hein. Avec le Play Store, tout ça, là. Alors on a aussi sur Xbox. En fait, il n'y a que Nintendo qui font pas ces trucs-là. Enfin, voilà, ils le font dans Mario Odyssey. Voilà. Mais pas dans d'autres jeux. Où c'est rare. Hop. Hop, on peut regarder là. Voilà. Une belle petite vue là pour le royaume champignon. Bon, forcément, au loin, on voit voilà, on voit des montagnes en 2D, très très loin. Hop. Et bon, ça donne quand même envie de se balader un peu. Et bon, on est un petit peu haut, là. On est sur une plateforme surélevée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh voilà, je pense que là je vais vous montrer le niveau enneigé qui est assez original pour le coup. C'est d'ailleurs l'une des surprises du jeu, franchement. D'ailleurs c'est ces PNJ là qu'on va voir. Hop. Alors par contre il est où? Pays des nuages, pays de la mer, pays des neiges.
Voilà. Vous allez voir que le pays des neiges est vachement sympa. Enfin, vachement sympa surtout sur les courses. Parce qu'en fait, on peut faire des courses de... Hop, je passe. Bon, là, normalement, il y avait une tempête avant. Donc, on voyait pas à plus de 10 mètres. Donc voilà, ça nous faisait croire que le monde est immense. Et en fait, bon, il n'est pas très grand, hein, voilà. Voilà, c'est la totalité du monde. Mais en dessous... Voilà, mais là, on va aller dans le petit trou, là. Hop. Donc, en dessous du monde, il y a une surprise, purée de fichtre. J'arrive pas à monter ici. Voilà. Parfait. La musique est pas mal. Et c'est très coloré et voilà. C'est plutôt joli. Et là, voilà ce que vous voyez là à l'écran. Bah, c'est les courses. C'est un petit mini-jeu en plus encore. Il y a pas mal de mini-jeux hein, dans ce Mario Odyssey qui sont plutôt réussis. Hop, mais surtout celui-là, c'est le plus réussi de tous. C'est que là, on va prendre possession d'un PNJ. Hop, donc vous allez voir circuit du flocon rapide. On prend possession de ce truc-là. Je sais plus comment ça s'appelle, cette espèce. Et là, on va pouvoir faire notre petite course. Si je parle au chef. Ah, ça fait vraiment penser à du Mario 64 en plus, hein, comment c'est fait là. Vous allez voir que c'est plutôt réussi. Voilà, faut rebondir plusieurs fois avec un bon rythme. Ça, on arrive à vraiment bondir très vite. Et là, c'est pas. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Ah, c'est pas facile. Je me concentre là, c'est la concentration. Oh là 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 là, j'ai pris de la vitesse là. Ah purée, là j'ai fait n'importe quoi. Ah, peut-être que des fois faut pas sauter trop. Aïe. Voilà, je suis mon dernier. Ah, c'est tout pas mal de le faire comme ça là, je gagne de la vitesse un petit peu. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Bon voilà, catastrophe. Catastrophe, mais vous avez compris le délire. Bah, évidemment, faut s'y reprendre à plusieurs fois pour faire un... pour être premier. Hein. C'est pas facile. C'était le niveau le plus difficile, puisqu'avant on a deux autres circuits du même style qui sont plus simples. Je crois qu'on peut faire que le dernier là, voilà. Enfin voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, je pense que je vais conclure. Hein, parce que bon, je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Purée. Voilà, on va se finir sur le monde de Bowser parce qu'il est assez joli. Alors, il est où? Hop! Et aussi, évidemment, dans le monde de la Lune, on saute deux fois plus haut, on est un peu plus lent, etc. Donc c'est. C'est quand même. L'inertie est quand même bien pensée pour ça. Et bon, après, le niveau de la Lune, il est quand même très très simple, il n'y a pas grand chose à faire. Alors que voilà, le niveau de Bowser est quand même assez réussi. Mais bon, ça reste pas difficile. Voilà. Ça reste assez simple. Et bon, c'est simple, c'est pas comme Yoshi ou Woolly World où c'est simple et on s'embête. Bon, là, c'est simple. Mais à côté de ça, il y a quand même toujours de nouvelles idées de gameplay, tout ça, et le fait d'avoir voilà, un Mario plus agile que n'importe quel Mario 3D.
Voilà, c'est fun. Voilà, rien que de déplacer Mario comme ça, hop, de faire plusieurs movesets, etc. C'est vachement fun. Bon là, forcément, j'ai fait n'importe quoi. J'ai cru qu'il y avait le toit derrière. Ah, et les pièces, ça nous permet d'acheter, voilà, de nouveaux couvre-chefs, voilà, de nouvelles tenues. Ça, j'ai oublié de le dire. Non, on peut plus passer ici, là? C'est bizarre, ça. Avant, la porte, il me semble qu'elle était ouverte. Ah, mais non, peut-être que... Voilà, évidemment, on est à la toute fin du niveau. Quasiment. Ça a quand même de la gueule. Et c'est quand même immense, hein. Enfin, c'est assez grand. Voilà, on voit... Purée, les anneaux, faut qu'ils dégagent. Affiche. Bon, c'est pas... Puis ce qui est bien, c'est que la musique, elle change un petit peu. Voilà, là elle s'intensifie de plus en plus quand on monte plus haut. Et ça, c'est pas mal. Ah, il me semble qu'on a que deux thèmes. Voilà, on a le thème qui est un peu plus intense, là, qu'on entend en fond. Et quand on est au début du niveau, on a un thème plus calme. Et voilà, ça fait très asiatique, hein, ça fait très temple chinois. Mais c'est toujours mieux qu'un niveau dans le château de Bowser avec de la lave classique. Bah, c'est quand même fait un truc un petit peu original, même si on a déjà vu ça dans 3D World. Hop, ça c'est une nouvelle transformation qui est vachement bien. Hop, on peut le balancer comme ça, le petit oiseau. Tac. Le petit pivert là. Hop. Et c'est assez bien pensé. Hop, et puis voilà, vous voyez les effets de particules quand même, c'est plutôt réussi. Ah, allez. La lune, franchement, c'est hyper bien. Là, c'est hyper bien fait. C'est propre. Ah, ça a de la gueule. Alors, on va se quitter là-dessus. Ah, sauf que la texture, quand même, par contre, n'est pas terrible, là. Hein. Ouais, bon, tant pis. Voilà, Mario, le maître chinois. Hein, c'est magnifique. Ah, c'est là, d'ailleurs, qu'on a le... le couvre-chef samouraï. Ah, la tenue samouraï. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux conclure? Bah voilà, au niveau gameplay, vous avez vu, c'est du grand Mario. C'est nickel. On l'a direct en main. Et puis, aussi pour les joueurs un peu plus chevronnés, un peu comme moi, le fait de sauter sur Chappy et tout, c'est vachement sympa. C'est pas si simple que ça à réaliser. Après, bah, qu'est-ce que je peux dire? Oui, bah, la bande-son, elle est pas mémorable, elle reste bonne. Mais c'est pas une bande-son incroyable comme on avait dans Mario Galaxy. C'est du niveau de Sunshine, de 3D World. Enfin, voilà. Mais c'est un peu en dessous de 64, et c'est bien en dessous de Galaxy, forcément. Ah, là, c'est marrant, on a un petit pigeon hein, qui se met sur... sur le nez de Mario, c'est plutôt rigolo. Enfin voilà, du coup... Ouais voilà, en termes de scénario, comme d'habitude, il n'y a pas grand chose. L'RDA, ils ont fait un peu, à droite à gauche des trucs qu'ils ont pioché à droite à gauche, en faisant des références. Voilà, rien que... faire la référence New Donk City, là, faire une référence de Donkey Kong. Donkey Kong qui est déjà une référence à King Kong. Donc du coup, ils ont fait une ville
à la New York style. New Donk City, voilà, ça ressemble en plus. Avec des échafaudages. À la Donkey Kong style. Ça, c'est quand même... C'est plutôt bien pensé, mais en même temps... Le fait de faire une ville extrêmement réaliste comme ça, avec des PNJ trop réalistes à mon goût, et pas très bien modélisé, parce que bon, faut que ça tourne en 60 FPS, voilà. Et on est sur Switch, faut pas l'oublier. Ça, c'est un peu le point faible. Sinon, voilà, globalement, quand même, la DA, même si ils en ont fait un petit peu trop des fois, globalement, c'est quand même réussi. Et c'est un jeu mémorable, hein, évidemment. Dans 5 ans, je vais pas l'oublier. Dans 10 ans, je vais pas l'oublier. Voilà. Ouais, contrairement, par exemple, à la Luigi's Mansion 2, je me souviens presque de rien. Hein, je suis obligé de le refaire, là. Je me souviens presque de rien de Luigi's Mansion 2. Bah, il était sympa, mais pas mémorable. Alors que le premier était mémorable. Et le 3 est très très bien aussi. Et bon, ça sera prochainement dans un autre vidéo test. Attention. Bref, voilà. Gameplay au top, jouabilité, voilà. Graphisme plutôt pas mal, voilà. C'est assez joli quand même, globalement. Malgré un monde complètement raté, le monde de la cuisine, de la bouffe. Des sucreries. Je sais pas comment l'appeler. Le monde de la gourmandise. Mais sinon, voilà, j'ai fait à peu près le tour. Un très bon jeu de plateforme, de toute façon, un incontournable de la Switch. Hein. Si on a une Switch, on est obligé de l'avoir. Attention. CD. Hop. Et puis voilà, on va aller un peu... on va aller ailleurs pour voir... Hop. Pour voir ce qui s'y trame. Ah, ça c'est vraiment bien, c'est le retour des Mario vraiment 3D, mais pur 3D. Hein. Le fait de pouvoir parcourir partout la zone, une grande zone. C'est vraiment bien. Ça c'est vraiment... je pense que ça va vraiment être le retour de ce genre de Mario. Alors après, pourquoi pas s'ils continuent sur les Mario Galaxy, un petit peu, s'ils font un Galaxy 3. Bon, ça m'étonnerait, mais... Moi, ça me déplairait pas. Mais par contre, voilà, faut pas refaire des Mario à la Mario 3D Land ou 3D World, là, c'est vraiment... C'est vraiment très moyen. Voilà, autant, voilà, Mario Odyssey... Sur Switch, on est un peu obligé de l'avoir. Bah, c'est un incontournable. Super Mario Sunshine, c'est aussi un incontournable de la GameCube. 64, un incontournable de la 64. Super Mario Galaxy, un incontournable de la Wii. Même, j'irais même, voilà, faut avoir les deux sur Wii. Faut avoir les deux sur Wii. Et par contre, voilà, le Mario 3D World, c'était vraiment une grosse déception. Là. Et franchement, je vous dis clairement, achetez Donkey Kong Country Tropical Freeze et ne prenez pas Mario 3D World. Là. Si vous avez une Wii U, c'est... ah, c'est ça le problème. On peut passer outre. Enfin, voilà. Sur ce, je pense, voilà, j'ai à peu près tout dit, ma pensée, tout ça, sur le jeu. Voilà. Une grande réussite, on peut encore améliorer des trucs, mais voilà, globalement, une grande réussite, ce Mario Odyssey. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures.